tout le monde, merci de vous joindre à moi pour ce Pilates spécial ouverture des hanches. Ça ne sera pas un cours classique de Pilates, il va y avoir différents exercices à l'intérieur de ça. Faut savoir aussi que ça va vous aider, oui, d'avoir de la souplesse, d'aller travailler sur votre souplesse, mais aussi d'aller renforcer les rotateurs externe de vos hanches, donc les muscles profonds. Si vous voulez aller partir en même temps la musique, vous pouvez aller juste dans la description en dessous et partir la playlist qui va avec cette classe. Donc on va commencer tout de suite par un petit étirement, mais vraiment léger pour commencer. On va se placer une jambe devant l'autre ici et on va juste aller se mettre les mains devant. Donc vous allez pouvoir aller marcher puis aller relaxer un petit peu la tête ici devant. Puis on va juste prendre quelques respirations ici. Donc, vous ne voulez pas que ça tire trop. Vous voulez sentir, oui, un petit étirement, mais sans que ce soit trop intense pour le moment. Et vous allez penser à pousser les deux os des fesses dans le plancher. Donc, on veut garder les deux ischions en contact avec le tapis. On va prendre une dernière respiration ici. Et expirez, vous allez dérouler la colonne. Puis on va juste changer notre croisement de jambe. Donc sûrement que vous aviez mis la jambe devant, que vous êtes le plus à l'aise. On va aller faire l'autre jambe. Et en même temps que vous allez prendre les respirations ici, vous allez penser à rentrer votre nombril vers la colonne à l'expiration. Donc, on relâche la tête vers le sol. On inspire large dans le dos. Et à l'expiration, on relâche la tête un peu plus vers le sol. On rentre le nombril vers la colonne. Vous allez prendre encore deux respirations ici, toujours en pensant à pousser les fesses dans votre tapis. Et à l'expiration, vous allez dérouler la colonne. Et vous allez aller vous mettre au bout de votre tapis. On va aller faire des petits roll-up. Donc, on veut quand même travailler un peu nos abdominaux aussi. Bon, elle ne me lâche pas aujourd'hui. On va aller mettre les bras devant. On va inspirer. À l'expiration, vous allez enrouler. On va aller faire juste des demi-roll-up pour rentrer le nombril vers la colonne. On reste ici, on inspire. Et expirer, on ramène. Encore une fois, expirez. Vous pouvez aussi amener les mains vers le plafond. Reste, inspire et ramène. De cette façon, on va aller chercher une petite rotation externe au niveau de la hanche. Donc, à l'expiration, on enroule. On vient ouvrir jambe droite vers l'extérieur. On vient chercher notre rotation externe. On ramène notre genou. On fait la même chose avec gauche. On essaie de garder notre bassin, les deux épines à la même hauteur et on remonte. Encore une fois, expirez, on enroule. Viens chercher rotation externe au niveau de la jambe droite. Et ramène. Rotation externe, jambe gauche. Et reviens. Et on remonte, on va aller faire ça encore deux fois. Expirez, on enroule. Rotation externe. Et ramène. Donc, pensez pas que ça se fait à partir du genou, mais vraiment de la hanche. Reviens et on ramène. On essaie de garder les épaules larges. Expirez, on enroule encore une fois. J'ai le droit à un lavage de pieds. C'est super. On vient ouvrir la jambe droite. Et ramène. Expirez la gauche. Ramène. On revient jusqu'en haut. On va le faire une dernière fois. On va ajouter un petit twist. Expire, on enroule. On vient chercher un petit twist avec le haut du corps. En même temps, on ouvre. Et reviens. Et on ouvre jambe gauche. Et on ramène. Et de là, on va aller descendre jusqu'en bas. Et on va aller ouvrir les jambes en petit triangle, donc largeur du tapis.
On va aller faire des abdominaux. Bras devant ou mains derrière la tête. À l'expiration, on monte et descend. Expire, hop. Descend. Encore. Et hop. Descend, on en fait encore pour vite. On pense à monter avec le tronc et non pas avec la tête. 5. 4. Expire, 3. 2. Et 1. On reste en haut. On va aller chercher une rotation externe au niveau des hanches et on ramène en parallèle. Encore, rotation externe. Et ramène. On pense à activer les jambes. On pousse les talons vers l'avant. Et reviens. Encore. Et ouvre. Et reviens. Donc, ça se fait ici. Et ouvre. Et reviens. On va rester en ouverture. On va faire des petites pulsations. Hop. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On reste ici. On inspire. Expire, on redescend, main derrière la tête, on vient coller les pieds ensemble en papillon. On inspire. À l'expiration, on soulève le tronc. Et descend. Encore. Et hop. Descend, on va en faire juste 8 encore. Descend. Et 7. Descend. Pour 6. Expire pour 5. Encore. 4. 3. 2. Et 1, on reste ici. Pulsation avec le tronc pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut. Inspirez, pousse les deux pieds ensemble. Expirez, on soulève les pieds du sol. On pense à presser les pieds un contre l'autre. On reste encore pour une inspiration. On rentre le nombril vers la colonne. Expire, pousse les pieds encore plus un sur l'autre. Et expirez, on relâche les pieds au sol. On vient déposer les mains de chaque côté. On va aller chercher un grand écart. Je vais me mettre dans ce sens-là pour ne pas être dans le rideau. Donc, grand écart. Et on fait la même chose, les mains derrière la tête. Expire, on monte. Et descend. Et hop. Descend. Encore. Et hop. Descend. On monte. Hop. Descend. On en fait encore pour 7. Expire pour 6. Et 5, 4, 3, 2, et 1. On reste ici. On s'assure d'être vraiment en rotation externe et non en parallèle. Donc, on vient tourner ici. Et de là, on va aller déposer la tête. On va juste monter les jambes. On va aller coller les deux talons ensemble et on vient ouvrir. Encore. Expire. Et on ouvre. On fait ça encore pour 6. Et ouvre. Pour 5. Ouvre, on s'assure de rester en rotation externe. 4. Expire pour 3. Nombril vers la colonne. Et 2. Et 1. Et on vient chercher ici les mains à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez prendre le temps de rester un petit peu pour l'étirement. Prenez des grandes respirations ici. Et expirez, on va relâcher. Ça va attraper l'arrière des jambes pour rouler sur les fesses. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et on va aller chercher la chaise. Je vous avais pas dit que vous aviez besoin d'une chaise. Donc, si vous n'avez pas votre chaise, allez la chercher. Et on va aller faire des ponts avec les pieds sur la chaise. Et on va vouloir pousser pour aller monter en pont. Donc, on est en parallèle pour l'instant. On active les fessiers, on active l'arrière des jambes et on descend. Expire, on monte. Et descend. On garde les épaules relaxées. Hop! Descend. On en fait encore pour 7. Descend. Et 6. Encore pour 5. 4. 3. 2, on s'assure que nos épaules sont détendues. Et 1,
Good. Cette fois-ci, on monte en haut. On vient chercher une rotation externe. On vient en parallèle et on descend encore. Et on monte. Rotation externe, parallèle et descend encore. Et hop, ouvre, parallèle, descend. Encore une fois, on s'assure de ne pas partir le mouvement par les pieds, mais vraiment que ça vienne des hanches. Donc, rotateur externe, descend. On en fait encore pour 5. Ouvre, ramène, descend encore pour 4. Ouvre, descend encore pour 3. On ouvre et descend. Il en reste 2. Hop. Vous pouvez garder vos mains au sol si vous n'avez pas de chien qui vous lèche la face. Et un dernier. Et ouvre, ramène et descend. Good. Maintenant, vous allez aller croiser la jambe droite par-dessus la gauche. On va aller chercher un petit retiré. Donc, à l'expiration, même chose. On pousse le bassin, on rentre le coccyx. On vient chercher ici un retiré en rotation externe, genou vers l'extérieur. Genou vers le plafond. On allonge la jambe vers le ciel. Ramène. Turn out. Et revient. Encore une fois, même jambe. On vient chercher notre retiré. On essaie de ne pas laisser tomber la hanche. Deux fesses actives. Parallèle. Allonge. On peut faire flex avec le pied pour aller chercher un étirement derrière. On ouvre. Et revient. On va le faire une dernière fois de ce côté-là. De rien sentir l'autre fesse aussi qui travaille. Parallèle. En haut. Ramène. Turn up. Reviens. Et de là, on descend jusqu'en bas. On vient changer le croisement de jambes, jambe gauche par-dessus. On fait la même chose. Expirez, on monte. Et on vient chercher. Rotation externe. Parallèle. On allonge. Ramène. On ouvre. Et reviens encore deux fois. Parallèle. Flex. Ramène. Et turn up. Reviens, relaxez vos épaules. Turn up. Parallèle. Flex. Et rotation externe. Ramène. Et on descend. Good. Vous pouvez ramener les jambes vers la poitrine. Juste bouger un petit peu de gauche à droite. Allez relaxer un petit peu le dos. Et on va aller allonger les jambes. Vous pouvez juste pousser votre chaise. On va aller faire sensiblement le même exercice qu'on a fait tantôt avec la chaise, mais on va commencer en rotation externe tout de suite. Donc, on vient chercher à partir des hanches ici. On vient chercher notre retiré. De là, on vient allonger la jambe vers le plafond. On vient ouvrir sur le côté sans laisser soulever la fesse gauche. Donc, on garde la fesse gauche dans le plancher. On ramène en haut et on redescend la jambe. Donc, on retire la jambe. On va garder la jambe droite. On retire la jambe. On allonge vers le plafond. On vient ouvrir. Donc, on garde les abdos engagés. On ramène vers le ciel. Et on descend. Encore. Retire. Allonge la jambe vers le plafond. Active les abdos. Ouvre la jambe. Reviens en haut. Garde la rotation externe. Descend. On fait la même chose cette fois-ci. Vous pouvez soulever la jambe gauche du sol pour travailler un petit peu plus vos abdos. Donc, retirez. Attention de ne pas aller cambrer dans votre dos. Et allonge vers le ciel. On vient ouvrir. Ramène en haut. Et descend. On fait ça encore deux fois. Retirez. Vers le plafond. On ouvre. Ramène en haut. Garde la rotation externe. Descend dernière fois. Retirez. Vers le ciel. On ouvre, ramène en haut et descend. Good. Et on fait l'autre côté. Donc, moi, je vais juste me placer dans l'autre sens. On va faire la même chose. Donc, on est en rotation externe. Jambe droite au sol pour l'instant. On vient retirer. Allonge vers le plafond. Active les abdos. Ouvre la jambe. Ramène vers le ciel. Et descend encore. Donc, vous allez pouvoir vous servir de vos mains au sol.
vers le ciel. Donc, quand on ouvre sur le côté, on peut aller pousser les jambes dans la main gauche. Ramène vers le plafond. Descends dernière fois. Allonge. On vient chercher rotation externe. On ouvre sur le côté. On ramène avec l'intérieur de la cuisse. Descends. On décolle si on veut la jambe droite du sol en activant les abdos, en poussant le bas du dos dans le plancher. On vient chercher notre retirée. Allonge vers le plafond. On ouvre. Ramène en haut. Et descend encore. Et retire. Jambes vers le ciel. On ouvre. Ramène en haut. Et descend dernière fois. Rentre le nombril vers la colonne. Et hop. On ouvre. Ramène en haut. Et descend. Good. Allez, refaire une petite boule. Vous pouvez bouger, relaxer le bas du dos en même temps. Et vous pouvez même aller chercher une petite ouverture dans les hanches. Donc, allez prendre vos genoux par-dessus. Juste bouger d'un côté à l'autre. Juste pour aller lubrifier un petit peu les hanches. Good. Et vous allez aller vous tourner sur le ventre. Vous allez pouvoir mettre votre front sur vos mains. Et on va aller chercher encore une fois cette rotation externe-là dans nos hanches. Et on va vouloir juste activer le nombril vers la colonne. On va activer les fessiers, on va aller soulever les jambes et on descend. En gardant les jambes bien allongées et sans tomber dans notre rotation neutre parallèle. Donc, on garde le turn-out. On monte et descend. Donc, active les fessiers et abdos et descend. On fait ça encore 6 fois. Hop et descend. Encore pour 5 et 4, 3. Expire pour 2 et 1. On va rester en haut et on va juste faire des petits battements comme ça. Donc, comme si on voulait aller toucher nos deux talons ensemble, on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. On monte le tronc, on allonge les bras vers l'arrière, on monte le plus haut possible. Inspirez. Expire, on redescend. On vient faire une petite position de l'enfant, juste aller arrondir le dos ici. Et expirez, déroulez pour venir vous coucher sur votre côté droit. En appui sur votre coude, on va vouloir aller faire l'huître. Donc, on va ouvrir le genou et descendre. La différence, c'est que on va pousser dans notre coude et on va aller ouvrir ici. Donc, vous avez les deux choix, soit que vous restez au sol. Pour une version plus avancée, on pousse dans notre coude pour monter. Et on ouvre le genou. Et descend. Et ouvre. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que la hanche, elle ne recule pas vers l'arrière. On veut que les deux hanches restent une au-dessus de l'autre. On va en faire encore pour 8. 7. 6. Les abdos sont bien actifs. 5. 4. 3. Et votre fesse d'appui, votre jambe d'appui, elle travaille très fort. 2 et 1. De là, allonge la jambe. Viens chercher rotation externe. Parallèle. Et ramène. Encore. Allonge. Rotation externe. Parallèle. Et on revient. Et allonge. Rotation externe. Parallèle. Et reviens. Encore. Allonge. Et ouvre. Ramène. Reviens encore 2 fois comme ça. Sans reculer la hanche vers l'arrière. Ça, ça va rester à la même place. Et reviens dernière fois. Allonge. Rotation. Ramène. Et reviens de là. Dépose la fesse au sol. Venez vous coucher complètement sur le côté. Et on va aller faire des petits battements. Donc, on va aller chercher une rotation externe au niveau de la jambe du dessus. Et on va aller vers le plafond et descendre. Donc, c'est la même chose. On ne veut pas laisser aller la hanche vers l'arrière. On veut garder la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Et on monte.
descend. On va aller un petit peu plus vite. On pousse, descend. Encore, pousse, descend. On en fait encore pour 4 et 3, 2, 1. On va rester ici. On pousse, 10, 9, 8, 7. Pousse dans la chambre au sol, 5, 4, 3, 2, 1. Allongez la jambe au maximum, descend jusqu'en bas. Viens chercher un retiré. Allonge la jambe. Pousse un peu plus loin. Et redescend. Encore. Retirez. Et allonge. Pousse. Descend. Fais ça encore 3 fois. Retire. Allonge. Et pousse. Descend encore 2 fois. Retirez. Allonge. Pousse. Descend dernière fois. Retire. Allonge. Et pousse. Et descend, good. Et on va aller faire l'autre côté. Coude au sol. À l'expiration, soit qu'on reste ici, soit qu'on pousse pour décoller le bassin du sol et on vient ouvrir genoux. Et descend. Donc la rotation elle se fait ici. Descend. Encore. Et on ouvre. On n'oublie pas les abdos qui sont là pour nous supporter. On va en faire encore pour 6 et 5, encore pour 4, 3, 2 et 1, c'est pas fini, on reste en haut. On vient allonger la jambe, on vient chercher rotation externe, au neutre et ramène. Fait que je vous conseille de mettre la main sur votre hanche, comme ça, si vous allez sentir si ça part vers l'arrière ou si ça reste bien en place. Encore. Allonge. Rotation externe. Ramène. Descend. Et allonge. On tourne. Ramène. Reviens dernière fois. Allonge. Rotation. Reviens. Et descend au sol. Viens allonger sur le côté. Rotation externe avec la jambe du dessus. On y va pour les petits battements. On peut mettre la main au sol. Battement. Et reviens. Donc, de pousser dans la jambe au sol, ça va aider. Expire. Hop. Descend. Donc, si vous pensez amener votre jambe trop ici, ça va vous faire basculer vers l'arrière. On veut suivre la direction de nos orteils. Expire. Pousse. Descend. Encore pour 3. Expire pour 2 et 1. On reste et pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allonge la jambe pour descendre jusqu'en bas. Retirez. De là, on allonge la jambe. Pousse un peu plus loin et descend. Encore. Retirez. Donc, on essaie de développer à partir du genou, on allonge ici. On pousse un peu plus loin. Et descend, fais ça encore pour 8. Allonge. Pousse. Descend. Encore. Et allonge. Pousse. Descend. Et retire. Allonge. Pousse. Descend. Il en reste 2. Allonge et pousse. Descends un dernier. Retirez. Allonge la jambe. Et pousse. Et redescends. Good. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir. Et on va aller croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Donc, on va vouloir penser à pousser les deux os des fesses dans le plancher. Donc, juste d'être dans cette position-là. Ça se peut que vous le sentiez déjà, l'étirement dans vos fessiers. C'est le cas pour moi. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez avancer un peu les mains. On va essayer de garder la colonne longue, donc de ne pas aller s'écraser. Donc, allonge la colonne, marche devant. Et on va prendre 3 grandes respirations ici. Les plus longues respirations que vous avez prises de votre journée. Et à chaque expiration, on essaie de se laisser tomber un peu plus vers notre jambe.
prenez le temps de dérouler la colonne. Et avant d'aller faire l'autre côté, on va aller juste allonger notre jambe droite ici sur le côté. On va aller chercher une petite flexion latérale vers notre jambe. Donc, si vous avez une grande flexibilité, vous pourriez mettre un bloc en dessous de votre talon si vous voulez aller chercher un peu plus loin. Expirez, on va ramener, on va allonger les deux jambes. Je vais prendre tout dans mes jambes. Donc ici, on va penser à allonger la colonne. Attention de prendre les genoux vers l'intérieur. On garde les deux genoux vers le plafond. Puis on va juste marcher les mains vers l'avant le plus loin possible et on ramène tout de suite dos droit. Donc on marche le plus loin possible avec nos mains. Et on revient. On va faire ça encore deux fois. On essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois devant. Ramène. Et dernière fois, vous allez rester cette fois-ci. Et on va rester ici aussi pour trois grandes respirations. Même chose à chaque expiration, on se laisse un peu plus tomber avec la gravité vers le sol. Et expirer, ramener avec les mains. Puis on va juste aller chercher genoux vers le genou gauche, pardon. Donc juste un petit étirement ici. Et on va aller de l'autre côté vers la jambe droite. Déroule la colonne. Et on va aller plier la jambe droite. On va, même chose, vous pourriez mettre un bloc en dessous de votre cheville gauche. Deux os dans le plancher, petite flexion latérale ici. Vers la gauche. On essaie d'aller chercher la respiration dans nos côtes sur le côté ici. Et on va ramener, puis on va aller faire l'autre jambe qu'on n'avait pas faite. Donc, la gauche par-dessus la droite. On allonge la colonne. Et à l'expiration, s'il y a de la place, vous pouvez avancer un petit peu vers l'avant. Trois grandes respirations ici. Et à l'expiration, vous allez dérouler la colonne. Et on va venir chercher une quatrième avec les jambes. Donc, on va aller mettre jambe droite devant. Et la jambe gauche pliée comme ça derrière. Et on va essayer d'avoir le plus possible les deux os des fesses dans le plancher. Donc la tendance, ça va être de soulever la fesse gauche. On va penser à descendre la fesse gauche dans le tapis. Et de là, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller mettre les bras de chaque côté. Vous pouvez les mettre un petit peu en diagonale en bas si vous avez un manque de place ici. Vous allez aller vers l'avant en pensant à garder l'os de la fesse gauche le plus possible en contact avec le sol. Et on va faire la même chose vers l'arrière. Donc, juste pour aller créer un peu d'espace dans les hanches, même chose vers l'avant. Et ramène. Et on va vers l'arrière. Et revient. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va essayer de décoller la jambe derrière. Et revient. Même chose avec la jambe de devant. Quand on va vers l'arrière, on décolle la jambe de devant. Et reviens, on va faire la même chose. On va vers l'arrière, décolle la jambe. Et descend. Et jambe de devant. Descend, dernière fois. Hop. Descend. Et jambe devant.
Ramène. Cette fois-ci, on va essayer d'allonger la jambe. Donc, on soulève la jambe derrière, on vient l'allonger, on la ramène pliée et on descend. On fait la même chose avec la jambe de devant. On vient allonger la jambe, on replie et on ramène. Encore. Et hop, on allonge, on replie et descend. Et jambe de devant, allonge et plie. Descends cette fois-ci, vous allez allonger la jambe de derrière, on va l'amener sur le côté jusqu'à l'avant et on va aller déposer le pied au sol, on va venir chercher une fente, on recule la jambe droite dans l'arrière, on laisse tomber le bassin, donc petit étirement du psoas et à l'expiration, on vient chercher stretch de la jambe de devant. Donc, pousse le bassin vers l'avant, inspirez. Expire, flex la jambe, étirement de la jambe derrière, de devant. Dernière fois, stretch devant. Et expirez. Et de là, on vient tout de suite chercher notre quatrième jambe gauche devant. On va faire la même chose. Donc, on va vers l'avant. Donc, juste commencer plus doucement en allant mobiliser les hanches, aller chercher de l'espace. Vers l'avant, en gardant la colonne longue, les abdos actifs, on pense à amener l'os de la fesse droite dans le plancher. Et vers l'avant. Reviens. Et vers l'arrière. Ramène cette fois-ci, on va vers l'avant. On essaie de soulever la jambe de derrière. Dépose la jambe. Soulève la jambe de devant. Et redescend. On fait ça encore deux fois. Hop. Et redescend. Et on monte. Ramène. Dernière fois avec la jambe pliée. Et jambe de devant. Cette fois-ci, on va essayer d'allonger la jambe de derrière. On allonge la jambe de derrière sans déposer le poids de la jambe au sol. On replie. Et on ramène. Jambe en avant. On essaie de garder la fesse droite dans le plancher. Plie. Et reviens. Encore. Vers l'avant. Hop. Allonge. J'ai une chaise dans les jambes. Et devant. Fesse droite dans le plancher. Replie. Descends dernière fois. On monte. Allonge. Replie. Et descends. Jambe de devant. On allonge, on plie et descend. Et là, cette fois-ci, allonge la jambe de derrière, passe sur le côté. Essaye de garder la jambe allongée et de l'aller déposer le pied devant. Viens chercher une fente. Donc, genou au sol. Angle de 90 degrés dans la jambe en avant. À l'expiration, flex le pied, amène le bassin vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dernière fois, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Good. Et de là, vous allez juste reculer. On va venir en planche. Vous allez reculer la jambe pour venir chercher une planche, soit sur les genoux ou les genoux décollés du sol, tête dans le prolongement de la colonne. À l'expiration, vous allez amener les deux fesses vers le plafond. Petit étirement ici. On va allonger la jambe droite vers le ciel. Et on va venir chercher une attitude jambe pliée pour aller chercher un petit stretch dans la hanche. Prenez une inspiration ici. Expirez. On va rentrer le genou vers le nez. On va aller avancer la jambe droite. Et de là, on va amener le pied gauche avec nous pour vous lever jusqu'en haut. Good. De là, vous allez aller plier la jambe droite. On va aller toucher le sol. Et de là, on va aller chercher ouverture. Donc, pied qui regarde vers l'avant. On ramène jusqu'en haut. Et on refait la même chose. Donc, ici, c'est juste pour aller relâcher la hanche.
On va toucher main gauche vers le sol, plie la jambe droite. On vient ouvrir, allonge les deux jambes, ouvre dans les hanches et replie, monte jusqu'en haut. C'est un petit peu un travail d'équilibre en même temps. Encore une fois, plie la jambe droite. De là, on vient ouvrir, allonge les deux jambes, ouvre les deux bras et ramène jusqu'en haut. Si on perd l'équilibre, c'est correct. On a droit et on va venir reculer en fente. Planche. On va rester pour deux petites respirations ici. Expirez, fesses vers le plafond. Et cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel, allonge la jambe. Ensuite, viens plier, chercher un petit étirement dans la hanche. Genou gauche vers le nez. On avance le pied gauche entre les deux mains. Et tout de suite, on transfère le poids dans le pied gauche pour remonter la jambe droite. De là, on vient déposer main droite au sol. On plie les deux jambes comme si on courait. De là, on vient ouvrir. On allonge les deux jambes. Et on ramène jusqu'en haut. On vient plier ici dans la hanche. On refait ça. Donc, on plie. On vient ouvrir. On ramène jusqu'en haut. Et on fait ça une dernière fois. Essayez de garder les deux hanches carrées ici. De là, on vient ouvrir vers l'arrière. Et on ramène avec le plus de contrôle possible jusqu'en haut. Et on relâche. Et vous avez terminé. Merci beaucoup tout le monde d'avoir fait cet entraînement avec moi. Bravo de l'avoir fait jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à faire un petit pouce. On se revoit très bientôt. Merci, bye bye.